Gabriel Fortuné, qui c'est maire démissionnaire dans la ville Okaï, et puis tout le monde connaît ses conseillers président Jovenel Moïse, ça c'est pas un secret. Eh bien, pendant l'étape rentrée dans Miragouane, près de 20 à 25 nègres examen, et bien, yoté baril. Eh bien, Gabriel Fortuné, d'après témoignage, li, si c'est pas couru, et monsieur, même yoté baril est tué. Entendez, confession, témoignage, Gabriel Fortuné, lui-même qui était dans le micro, Valérie Numa, qui tape à répondre à question journaliste là. En suivant, comment ça te est dans l'émission Invité du jour. Je ne vais pas parler de lui parce que il y a un monde qui est au courant. Et pendant qu'on va rentrer dans le sud, on te prend un barrage, on s'attrape au niveau de Chalon. Et dis-nous comment on fait la vie sauve. Bon, c'est parce que je ne sais pas comment me faire sauver qui fait me le valer de ça. Deuxièmement, c'est le quotidien de tout le monde qui a fait national. Que ce soit national numéro 1 et surtout national numéro 2, dans la zone Chalon, Niagouane. Côté chaque jour, je ne des cas. Donc, de décider de me parler de ça. Mon rôle est journaliste. Information publique. Bon, effectivement, c'était vers le vendredi 22, vers 2h. Nous arrivons dans la zone Chalon. Mais nous avons une route là apparemment normale. Et tout à coup, nous avons un groupe de jeunes et qui a approcher nous dans Saint-Sévès et puis nous pas avancé. C'est comme si c'est eux qui a fait circulation, pas gain barricade, pas gain rien, et puis les machines stoppées, toute machine qui a venu qui a sorti vers le sud du sud vers Port-au-Prince stoppée, et nous même qui a sorti de Port-au-Prince vers le sud, et de temps en temps il a fait des véhicules et passé. Mais dans le premier temps on fait un signe à nous-mêmes, c'est-à-dire moi-même et chauffeur là, et puis chauffeur là ralenti, et fait deux machines passer. Ils sont armés? Oui, ils étaient armés. Mais nous parlons armés, c'est lorsque ils font un signe pour chauffeur à stopper, chauffeur à continuer ralenti, mais très lentement, et puis ils ont les armes. Et puis chauffeur à stopper. Mais j'étais dans la machine là, et puis approchez nous, ils disent bah, toutes armes, toutes munitions qui sont dans la machine là. Ils disent pas rien. Et puis ils me font un calcul rapide, ils me disent, bon, m'ouvrir votre machine en bas, pensant que vous pourrez fouiller la machine, et puis moi-même, pour me rentrer, j'ai dit. Et effectivement, m'ouvrir votre machine, je courir. Et malheureusement, je m'entrais dans une zone que je connais. Je traversais une maison, et puis je tombais dans la cour, et puis je suis tombé. Est-ce que je ne savais pas reconnaître? Non, au départ, je ne savais pas reconnaître, du tout. Et puis, je suis tombé, et je rattrapé. Et puis maintenant, ils ont fait des menaces, ils ont fait les moins. Et puis, je suis avec Badjouin, ils ont commencé un Badja qui, bon, palais national, Jean-Gabriel Fortuné, dit tirez. Donc, monde devant moi. Et dans une situation vraiment compliquée. C'était épreuve de foi pour moi. Et puis, je ne sais pas comment je suis parti. On a monde qui t'a demandé pour te tirer. Il y en a l'autre qui te dit non et en obtempéré. Non, je ne de ça du tout. Tout simplement, je me dit, tirez-le. Et puis, je me dit, monsieur, pas tuer-le. Bon, pas qu'on est. C'est ça, me dit, que je vais mourir. C'est seul bon Dieu qu'on est. Et qu'on a coupé un dénouement, en fait. Dénouement, en fait, pendant que yo pas qu'on est comment, yo pas passé, yo beaucoup décidé, tirez-le. Et puis, il n'a pas avancé. Et puis, je me réveille derrière une maison qui est très proche de la rue, moi, machine, non. Et puis, je courais encore, je me traversais la rue. Je laisse un chauffeur à me passer, il échappe tout. Mais nous entrons dans deux la cour différents. Et puis, après, mon zone, il est sorti avec moi. Et puis, bon, vraiment. Ils étaient sympathisés avec moi et puis ils ont demandé pour mal prendre un véhicule là. Donc, ils ont récupéré la machine dans les mêmes? Non, la machine était dans la rue, je suis allé, machine là, je retourne avec elle, même des gens pile mon avec moi. C'était ont quand identifié, ils ont essayé Gabriel Fortuné et puis ils ont aidé moi et puis ils ont fini la machine là. Mais est-ce que quelque part. Seul téléphone et chauffeur qui n'ont pas joué dans la machine là, ils n'ont pas pris la machine là.
C'était environ combien? Entre 20 et 25. Apparemment, des jeunes, des adolescents, nous identifions des adolescents, mais pas quoi, qui ont gagné un groupe, ça, qui ont gagné 30 ans. Chef de gang, là, par la suite, je dis, monsieur le gang, bon, je dis, c'est le gang qui l'a fait opération, ça. Bon, c'est ça seulement, nous connaissons. Mm-hmm. Est-ce que c'est deux, trois qui ont gagné âme, mais tout pas de gagné âme? Et tout pas de gagné âme. Mais le chauffeur m'a dit, il y a 5 à 6 personnes qui sont armés et qui tirent les armes. Armes de poing. Oui, armes de poing. Armes de poing. Ok, après ça, vous quittez et vous rentrez dans le sud. Et qui témoignage pour gagner de monde, par exemple, qui est régulièrement victime de là? Mais c'est chaque jour. Ça fait des mois que, comme pas dire des années, zone Chalon, et, on a le tuyau Gandens et le sud. Et en termes économiques, en termes d'affaires. Mais presque chaque jour, il y a des témoignages, nous joignent que, mais ça passe Chalon. Ce matin encore, il y a un témoignage avec un homme d'affaires qui était sur route là. Et donc, c'est une raison que je me dis que je ne voulais pas parler de ça, parce que c'est le quotidien, malheureusement, de tout le monde qui a dans le sud, qui a traversé pour le Port-au-Prince. Et pas de grand chose qui fait sous ça du côté de l'État, du gouvernement, parce que c'est une variété de cause sérieux. Non seulement, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas priver pour le Port-au-Prince, il y a des gens qui ont quitté de gros séquelles, mais nous connaissons, il ravage totalement l'économie du département du Sud et de la Gonesse. Donc, c'est un bagage pour que l'État, le gouvernement, les mêmes, les prennent au sérieux. Dans le contexte là, et qui vont penser que l'État, qui vont penser que le gouvernement n'a qu'à penser au sérieux, quel type d'intervention t'a qu'à faire dans la situation que nous avons là? Il y a deux interventions qu'on peut faire. La première intervention, c'est faire des réunions dans la zone là, et avec des hommes d'affaires, avec la société civile et avec les autorités. Et les autorités, le parquet et la police, etc. Mais maintenant, conscientiser mon autre. Parce que ça vient d'arriver. Lors d'une zone, ça, même si je me dis 25 jeunes, maintenant, à faire opération, ça. Mais aux jeunes, des centaines de monde qui campaient comme spectateurs. Je pense que si on a une autre approche de questions d'insécurité, de ça qu'a fait, ça n'a pas qu'un mode de vie, ça capable d'échanger. Parce que au fur et à mesure, c'est comme si nous l'insécurité, c'est un mode de vie lié. Le banditisme, comme si nous l'a accepté. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas cagoulés. Nous ne sommes pas cagoulés pour faire ça. Et puis là, nous rentrons dans la famille. Nous rentrons dans la caisse d'amis, dans le voisinage. Tout le monde voit, tout le monde connaît. Et puis au niveau de la police, nous n'avons pas fait assez. Nous n'avons pas fait assez. Donc, dans ce sens-là, je pense que faut qu'ils fassent des réunions dans la zone-là. Et nous-mêmes, dans le sud, dans le Grand-Est, nous avons des réunions et à travers les collectivités pour nous dire qu'ils ne sont pas capables de faire deux départements. Mais de l'autre côté, je pense que faut qu'il y ait beaucoup plus de sévérité et de fermeté du côté des forces de répression. Ça veut dire qu'ils sont là pour permettre que nous ayons la liberté. Nous n'avons pas du tout la liberté. Nous. Mais là, on risque de donner Gabriel Fortuné dans la mesure où policiers ou bien forces de l'ordre ou bien forces de coercition, ils ont même tout, ils ont plein le fait que la situation est extrêmement difficile pour eux. Ils deviennent presque compliqués pour demander pour faire plus que ça fait, dans la mesure où ils ont même tout, ils n'ont pas senti qu'ils ont pris le travail en considération. Regardez les policiers, ils ont obligé de faire marche, ils ont obligé de faire manifestation, ils ont fait syndicat, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ont une revendication. Toute société, et même aux États-Unis, en France, dans le pays côté de séparatif, on aurait des gros revendications. D'ailleurs, plus dans la rue que nous-mêmes. Et le problème nous avons avec la police, c'est la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que je dis à un bandit qui a fait ça, pas ça, de temps plus il fait le passé comme militant, les gains de droits, les policiers n'ont pas gain de droits. Nous perdons plus de 40 policiers. 19 ans. Mais l'inspection générale voulait faire plus plaisir. Ah, maintenant, moun doit humer, moun doit de l'homme, que maintenant, yon wè bagay là avec yon l'autre œil. Parce qu'il n'est pas normal que je dis à wap trancher entre bandits et policiers. Même pas chambre d'accord bagay ça. Bandit pas gen droit, ce policier, bandit tout bien tombé. C'est policier qui ou mal tombé. Hein? Mais question droit de l'homme, je vous dis à, faut que nous, non, ça c'est le travail de la presse, faut nous questionner lui. Quelle que soit façon pour tomber sur route là, c'est militant. Et ces bandits, c'est militant qui a raison. Je dis à pour nous, ou bien c'est un militant de l'opposition,
ou bien c'est un bandit, et qui est inacceptable. Inacceptable. Donc, il y a l'autre approche qu'il faut développer dans la question droits humains, droits de l'homme et l'inspection générale par rapport à la police. Tout policier peut dire si on fait travail, si on fait travail, sans excès, il risque quand même une sanction. Et nous avons plusieurs cas où il y a des policiers qui font face à des bandits et qu'il y a des sénateurs qui albaï pression l'inspection générale, l'inspection générale pour sanctionner les policiers. Je dis à qui est-ce qui bandit? Est-ce que c'est policier ou bien sénateur? Donc on a une situation extrêmement grave. Oui, mais oui, c'est qu'il y a des affrontements. Et entre, enfin, monde, par exemple, là, qui a fait action yo, et policier, parce qu'en pile fois, policier est tombé. Mais je ne sais pas qu'il doit tomber dans conditions ça. Il doit tomber dans conditions ça. Un support pour les jeunes, un support du gouvernement, de l'État, du président, sans ambiguïté. Mais en même temps, l'inspection générale n'est pas là pour le faire bandit plaisir, il n'est pas là pour le faire droit de l'homme plaisir. Nature, ça ne veut pas dire qu'il y a un policier qui commet des excès pour ne pas sanctionner, c'est pas ça. Mais ça, moi, qui a fait depuis quelques années, n'est pas correct. Parce que nous avons une seule force de police, il est pour le protéger, pour le permettre que nous-mêmes nous sommes capables de vaquer à l'occupation. Nous. Donc, il n'y a pas qu'à mettre sous pression tout le temps. Les droits humains et l'inspection générale, pas qu'à mettre la police sous pression tout le temps. C'est inacceptable. Mais étant donné que, au même bon simple observateur, quelque part, dans la mesure où on a pensé qu'il a, mais dans quel sens conseille-vous aller? Bon, même, je dis deux choses. Il faut qu'il y ait des gros réformes qui fait en dedans de la justice, parce qu'il y a l'autre problème d'où. Les policiers, ils ont arrêté, et puis dans deux semaines après, les bandits ont été et puis c'est même bandits qui ont été en face policiers, ils ont arrêté. Dans toute juridiction, il y a des problèmes, ça. Réforme qui vous fait dans la justice et les réformes qui vous fait dans la police. Mais la réforme dans la justice, c'est l'inspection judiciaire qui peut fonctionner. Quel que soit humain, quel que soit côté le situé, le président, je ne joue pas, il va commettre des bêtises. Mais il faut qu'il y ait une instance, vrai, légale, qui vous apprécie et sanctionner. L'inspection judiciaire n'est pas fonctionnelle. N'est pas fonctionnelle. Ça, je joue à faire. Ça substitue à faire, ça chef de parquet a fait, ça ne veut dire pas qu'il n'y a aucun contrôle sur vous. Être humain n'est pas capable de vivre sans contrôle. Hein? Il faut qu'il y ait un contrôle social sur lui, il faut qu'il y ait un contrôle et judiciaire sur lui. Hein? Il faut qu'on ait que des actes pour faire dans la société, il y a des comportements. Maintenant, il faut qu'on paye les conséquences. Mais tout ça, on a vécu là, Gabriel Fortuné, quelque part. Les conséquences, c'est mauvaises actions, nous, et Mdakadi, et mauvais comportements, nous. Institution qui faillit à tout le monde. Mon capitaine est là pour dire que de toute façon, il ne faut pas garder des conséquences, il faut garder des causes. On est à qui ça qui, à l'origine de bagaille ça, c'est mauvaise gouvernance, c'est une pratique que nous faisons, etc. Donc, c'est vous qui avez payé là. La déliquescence de l'État. C'est ça. La déliquescence totale de l'État. Et l'un dit ça, c'est déliquescence de la présidence, déliquescence des gouvernements, des administrations, déliquescence du Parlement et de la Chambre des députés et sénateurs, déliquescence maintenant du système judiciaire noir, c'est celui qui est là. Maintenant, avec la société civile là, c'est on a parlé de délitement de la société civile haïtienne. Maintenant, je dis à si ça fait c'est une société pour nous repenser totalement. C'est pas une réforme, c'est une société qui mérite un changement, une révolution totale là-dedans. Mais trop souvent, nous confondons une révolution, des réformes importantes avec changement d'homme, ça pas suffit. Lorsqu'un camion en panne transmission, en panne moteur, changer chauffeur n'a pas suffi. Même si c'est un beau chauffeur, ça pas suffi. Faut gagner l'autre camion. Ou bien, faut gagner l'autre moteur, mettez une nouvelle transmission là-dedans. Camion a marché, il est parti avec un beau chauffeur. Ah oui, on est à moins, mais c'est un peu bas. La seule différence qui vient, si par exemple, vous prenez une machine et que il y a un problème de transmission, il y a un problème de moteur, il faut regarder s'il n'y a pas chauffeur, eux qui contribuent à bailler le problème. Le ça, même si vous remettez l'autre moteur, il ne faut pas bailler le même chauffeur et craser la transmission. Cette fois-ci, il faut chercher des bons chauffeurs. Il faut nous chercher des bons chauffeurs. Maintenant, ça n'a pas de là. Qui est-ce qui peut chercher des bons chauffeurs? C'est le peuple-là. C'est le peuple là. Parce que là, on dit chercher de bons chauffeurs, c'est chercher bon président, c'est chercher bon député, bon sénateur, bon magistrat, bon kazakh.
Mais c'est ce peuple-là. On me pèse sur le peuple-là. C'est pour venir dans le peuple-là, c'est que chaque monde qui parle, il parle dans le peuple-là. J'ai l'impression que le peuple-là ne parle pas du même bagage pour tout le monde. Nous, comme ça m'a dit, l'homme dit peuple-là pour chercher bon chauffeur. Je dis à qui est-ce qui a le droit de vote. Tout le monde a le droit de vote. Il y a donc une majorité qui fixée à 18 ans et ou capable à faire des choix. En général, depuis 1987, c'est comme ça qu'on a fait l'élection. Mais nous voyons combien d'élections que vous faites dans le pays. Système électoral, nous, en tout, faut que nous réponsions. Faut que nous réponsions totalement. Et c'est ça, moi-même, là, m'a parlé de transition, Valérie. Nous avons besoin du temps pour que ensemble des institutions républicaines, nous, qui se pilier l'État, qui se, pour nous capables de repenser au référendum. Et ensuite, chercher qui monde pour nous mettre là-dedans. Mais chercher qui monde pour nous mettre là-dedans, c'est pas arrêter ou pas le point, c'est pas la prière ou pas la prière. Encore, c'est les corps électoraux, c'est le monde qui doit voter, yo, qui allait pas faire des choix. Mais on va faire des choix, mais il faut que nous finissions par un système tout. Côté, il y a présenté différents projets. Bah, peuple là pour peuple choisir un projet. Mais ce n'est pas le cas depuis 30 ans. Ce n'est pas le cas. Moun qui a plus moyen, moun qui a manipulé plus ça, moun qui a plus accès maintenant aux médias, c'est yo aujourd'hui qui est capable de briver président, c'est yo capable de briver député, sénateur, etc. Toutes conséquences que nous connaissons, ça n'est pas capable de continuer encore. Il faut que ça change. Et nous avons un moment pour le changer. Et ça fait toujours parler de transition. La transition s'impose. Système, ça n'a pas cabrété encore. Mais sauf que nous tous parlons même définition de système. Système, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, il y a un système agonisé. Faute d'expérience, faute de quoi, il n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas capable de changer. Là. Mais il faut que le système, ça a changé. Moun de constater que la table allait tellement de mal en pis. Que et une décision qui était attendue que le président Jovenel Moïse a pris et qui s'était très certainement et passé le tablier, qui s'était démissionné. Mais chaque fois le président parlait, vous sentiez que le mot démission parle en vocabulaire, li, ou même qui parle avec elle, ou même qui n'agit en ligne, en environnement immédiat. Est-ce qu'à un certain moment, ça passait dans tête président pour le dire, mon cher, j'aime bien là et là, il y a des femmes dans la guerre. Non. Je parle presque chaque jour avec le président, surtout ce soir, dit là. Et le président, pas pour j'aime intention pour le démissionner. Moi-même, pas jamais dit président pour le démissionner. Moi, je dis président, peuple a été bon mandat. Il y a des difficultés graves. C'est-à-dire, nous, pas capables de délivrer, il faut que nous remettions peuple à mandat. Donc, je dis président, il faut que nous fassions élection avant l'air. C'est l'élection anticipée. C'est ça, me dit le président. Il me dit ça chaque jour. Le président n'est pas capable de démissionner. Il a fait un coup d'État. Mais pour le politique, c'est un rapport de force. Pas seulement un rapport de force, mais dans le cas, c'est un rapport de force. Si l'opposition arrivait à faire un coup d'État, que l'effectivité du pouvoir a bien nommé l'opposition, et que tout le monde a constaté ça, et puis on avance. Mais le président, lui-même, dans la logique, ça, moi-même, personnellement, moi, dit qu'il m'assumait, mais du président, il faut nous organiser l'élection anticipée. Mais là, encore, c'est bon pour conseil, pour la simple bonne raison que, non, réalité n'a pas besoin de faire avec vous, pour la simple bonne raison que, le président Jovenel Moïse, quoi, même lui-même conscient que, il n'a pas qu'à organiser l'élection, dans le contexte là. Okay. D'abord, il n'est pas évident que vous prenez l'élection avec le président Jovenel Moïse. Mais Valérie, vous n'êtes pas capable d'engager des gens qui, chaque fois qu'il y a un président, seuls gens qui prennent l'élection, c'est eux qui organisent pour l'élection par eux. Je m'en profite pour me dire opposition. Opposition qui me connaît, il y a 30 ans là, qui passe dans tout le gouvernement, qui est au cours du pays là, jusqu'à ce que Michel Martelly devienne président de la République. Et par là. C'est une situation qui a évolué dans le pays à côté que personne ne pas épanier. N'importe monde, à n'importe moment, n'importe qui est ou capable et victime
Et surtout, nous connaissons les maïgouins, lui-même l'a volé, ou pas connaître ça qui mal, ou pas connaître ça qui femelle. Bien que il y ait un peu de monde qui dit capable de gagner infiltration dans la lutte qui a fait là, il y a une série de monde qui profitait de moments ça, et moments qui très critiques ça, pour être capable de faire toute vieille bagaille, piller monde, commettre Zach, et côté que même femme pas épargnée, femme enceinte pas épargnée, il fait qu'à déjà que je prends tout ça qui est sur eux. C'est une situation qui est très critique, que l'autorité aussi, que jusqu'à présent, que l'autorité dans le pays, ça, qui supposait faire une gens pour capable remédier la situation. Et restez branchés ensemble avec nous parce que nous là pour nous capables de faire vivre tout ça qui a passé dans le pays et ça fait l'important pour capable abonner channel là, activer la cloche là, mettre le sous tout et puis comme ça vous capable de recevoir notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'apprenons l'autre occasion.